Et là, on va commencer par lui. Et là, je préfère parler à l'audio, mais là, je vais prendre le... C'est moi, c'est bon, c'est Mathilde. Bonjour. Et là, donc, ouais, Mathilde... Ah, qui est très fan d'un peu tout le monde, qui est fan de Laurent Voulzy. Cyril, j'en ai deux, des Cyril Ferraud. Ça, c'est bien, ça, Cyril Ferraud. Il y a aussi Julien Leclerc, bien sûr. Sur Telegram, ah, il y en avait un qui était bien sur Telegram, faut que je le retrouve. Bonjour. Non, c'est pas celui-là, c'est lequel? Ah, ça c'était bien parce qu'il s'est mis à me parler. Il a quand même eu des doutes sur moi. Il a pas trop adhéré à ma photo. À celle-là, elle faisait trop fake. Hein. Celle-là, il a pas trop adhéré. Mais j'ai pu le ramener sur le droit chemin. Et il a essayé de m'appeler plein de fois, ça marchait pas. Donc on s'envoyait des petits messages. Parle-moi comme ça, là ça marche bien comme ça. C'est comme ça que je parle avec Nadine. Attendez. Ok, bah... On entend que je suis dans mes toilettes. On entend l'écho des toilettes. Hein. Souci, voilà, moi je crois que t'as un souci avec ton téléphone là. Ah, c'est vrai, moi ça marche bien, je t'ai entendu cette fois. Est-ce que tu peux dire un petit mot pour moi? C'est Mathilde. Oui, je serais curieux, j'ai Discord, toi. Et là, vous avez compris? J'ai très bien compris ce que t'as dit. Est-ce que vous avez compris ce message-là? Moi, je l'ai écouté plusieurs fois. J'ai rien compris. Hein. Oui, je serais curieux, j'ai Discord, toi. Moi, je comprends. Est-ce que tu réexigères des Discord, toi? Ouais, je comprends pas. Oui, je serais curieux, j'ai Discord, toi. Non, je... Oui, je serais curieux, j'ai Discord, toi. Je comprends pas. Tu veux que je te dise plus... Ah, tu veux que je te dise... Ah, peut-être. Ah ouais, vous pensez... Tu veux que je dise quoi, putain? Sérieux? Tu veux que je te dise quoi, plus tard? Je sais pas. Ah ouais, vous, sérieux, vous avez... Mais attendez, c'est trop bien. Mais vous avez des traducteurs. Coucou, Grid Geese. Coucou à toi. Mais c'est incroyable, ça. Vous êtes trop fort. C'est fort, hein. Vraiment. D'accord, ok. Donc, lui, c'est censé être un Kenji, mais par contre, il m'a parlé avec sa vraie voix. Donc, je me suis dit, lui, c'est peut-être bien. On va essayer de lui parler à lui. Il sert d'être un bon client. Coucou, le fleur bif. Coucou à toi. Donc, je termine juste. Hein. On remet ça, et après, je termine les petites conversations audio. Oui, je serais curieux, j'ai Discord, toi. J'ai pas très bien compris ce que t'as dit. Tu peux, je sais pas, dire quelque chose d'autre, ou chanter un petit peu. Merci. Voilà, donc ça s'est arrêté là, il m'a dit qu'il allait chanter un peu après, plus tard. Après, je lui ai dit que je partais parce que je voulais pas commencer à parler avec lui tout de suite. Attendez, il faut que je valide avant d'afficher, on sait jamais. Ok, c'est juste tout simplement le beau Kenji avec sa guitare. donc voilà, tout va bien et on va revenir vers lui et on va parler... Comme ça, du coup. Et là, je pense qu'on va... On va tous les enchaîner, on va dire bonjour un peu tout le monde et on va voir qui répond. Je pense que lui, la menace a pas encore répondu, mais lui, je l'aime trop parce qu'il parlait avec sa vraie voix. Et ça, j'aime bien. Hello, est-ce que tu es là? C'est bon, je suis rentré, j'ai mangé et je suis prête si tu veux qu'on discute ensemble. Donc on va voir si lui, j'ai des interactions avec lui. J'aimerais vraiment bien parce que ouais, il parlait avec sa vraie voix, c'est trop bien. J'ai record, j'ai Discord. Ah oui, oui, c'est voilà. Oui, j'ai record, j'ai Discord. Oui, c'est vraiment que ça ressemble à ça. Pour moi, j'ai entendu Discord, je me suis dit, mais quoi, mais c'est quoi ce monde? Mais non, mais vous avez bien traduit. Vous avez très très bien compris. Tu veux que je dise quoi plus tard? C'est ça, je pense que c'est ça. Tu veux que je dise quoi plus tard? Et du coup, il y a un petit côté Discord, effectivement. C'est des fichiers B. C'est ça qui est bien avec toi et Sandos. On rigole bien avec... Oui, pour écouter. Bien sûr, on respecte bien sûr la personne derrière. C'est pas bien ce qu'elle fait. On la respecte pas trop, mais on va pas l'insulter en tout cas. J'ai pas l'insulter. Et voilà, etc. On va juste un petit peu s'amuser avec. Voilà. On s'amuse un peu, on le fait perdre du temps, et voilà, c'est ça le délire. Et on va tous les enchaîner maintenant. À Kenji 8, il écrit tout de suite. Alors, il y en a un qui m'a demandé, parce que je lui ai dit qu'hier soir, j'étais pas là,
Donc il m'a demandé une photo de moi dans le bus. J'ai dit que j'étais pas maquillé et que voilà, une photo de moi, une photo de bus. Et voilà. Salut, comment tu vas? Tu es toujours chez ton ami? Donc on va un petit peu tous les... Je suis rentré, c'est bon. Tu vas bien? Alors, ok, c'est compris, demain je vais t'écrire bonne nuit. Bonne nuit, mais il est 10h, pourquoi tu me dis bonne nuit? T'as pas compris. Coucou, Matt. Tu es là, je suis enfin chez moi. Je suis prête si tu veux discuter. Il y en a bien un dans l'eau qui va me répondre. Ça se trouve, Akenji, il a essayé de m'appeler. Je valide la photo. Ah, c'est bon. C'est absolument merveilleux. C'est juste le petit Kenji qui m'envoie un petit bisou. Voilà, c'est merveilleux. Merci pour la photo. Oui, c'est vrai, j'avais déjà vu. Bonjour Kenji, je suis chez moi. Est-ce que tu vas bien? On va un petit peu continuer. Bonne journée. À chaque fois, j'ai dit que c'était aujourd'hui que j'étais là. Il y en a combien de simultanés? Je sais plus combien. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais j'ai tellement peur de faire un live, d'avoir personne à qui parler, que j'en prévois beaucoup. Et après, voilà, ça filtre parce qu'il y en a certains qui ne sont pas disponibles maintenant. En plus de mon brouteur. Mais en fait, tout cela, à part celui de la menace, tout cela, je les ai contactés. Enfin, j'ai juste fait un profil de victime sur un Facebook et Instagram et ça tombe tout seul. Là, j'ai rien eu à faire. J'ai même pas eu besoin de mon brouteur pour cela. Mais celui de la menace, par contre, ouais. La menace de mort, il vient de mon brouteur. À couler avec le bruit de fond, téléchargement sur ta voix, c'est plus correct. Ah ouais. Oui, avec ça là, c'est ça que tu veux dire. Sinon, je peux faire bonjour, ça va. Là, c'est un peu trop. Non, ça... Là, c'est bien, je pense. Bon, allez, faut que je mange. Ok, bah, chickens lover, bon appétit et bon courage pour le taf. À plus. Alors. Et du coup, pour les personnes qui ont été victimes, tu conseilles quoi? Bah effectivement, il faut porter plainte, hélas. Il faut porter plainte. Il faut faire le signalement pour voir si on peut faire quelque chose. Signaler sur Signal Arnaque, bien sûr, toujours. Toujours sur Signal Arnaque. Aussi sur monbrouteur.com. Pour que nous, on puisse essayer de prendre la relève, peut-être. Ou pas, hein. Des fois, c'est pas possible, mais on essayera. Plus de brouteurs il y a, plus on rit. Ouais, attendez, il faut que je continue à aller... Mais il y en a trop aussi. Garou est là aussi. Dès que tu es dispo, laisse-moi un texto. Coucou, Garou. Est-ce que tu es là? Il faut bien que je lise à chaque fois qui c'est, parce que sinon... lui, c'est une arnaque sentimentale, mais qui m'intéresse pas trop. Je vais quand même envoyer un petit message au cas où, mais... Salut. Je suis enfin là. J'ai enfin un téléphone qui fonctionne, mais... l'écran est cassé. Donc si tu veux me répondre, laisse-moi un message. Laisse-moi un message audio parce que l'écran est cassé. Parce que lui, à part vraiment si on dialogue en vocal, c'est tout simplement un... C'est quoi? Ça, c'est un arnaque sentimental. Il a vu mon profil sur Instagram. D'ailleurs, mon profil Instagram, mais attendez, mais... Mon profil Instagram, c'est vraiment... Il buzz. Hein. C'est le buzz de fou. C'est-à-dire mon profil... Là, j'ai 43 likes sur ma photo. 43. J'ai plein de... Regardez, le bon ratio, là. Le bon ratio de fou. C'est incroyable, quand même. Et pourtant, j'en suis aucun défaut. Mais dans les followers, c'est rempli de fous. C'est plus que mon vrai compte, effectivement. Et vraiment, il y a des gens, ils écrivent et tout, quoi. Ils disent, mon jardin. Il dit bonjour. Ah... Le jardin comme le paradis. Je sais pas quoi dire. C'est incroyable. Ce profil, il est incroyable. Voilà, Mathilde, elle est swag. Ah, d'accord. Comment je pourrais t'aider? Ben, tu comprends ce que je te dis? Je peux pas lire ce que tu mets. Est-ce que tu peux m'envoyer des messages vocaux? Parce que ça marche pas, l'écrit. L'écran est cassé. Donc je vois bien le petit bouton pour envoyer des messages, les écouter, mais je peux pas lire les messages. Voilà. Un peu bizarre. Hein. Alors, Kenji 11.
À chaque fois, je dis que je vais chez ma copine Nadine, là. Bonjour, Kenji, je suis enfin là. Est-ce que ça va? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a aucun qui va me répondre maintenant. Hein. Parce que je prévois large dans Kenji 7, il ne m'intéresse pas. Je prends à large, mais si aucun ne me répond, ça va commencer à être chiant. Voilà, on va enchaîner maintenant avec ceux qui sont sur WhatsApp. Alors, s'il n'y en a vraiment aucun qui me répond, là, j'ai vraiment... J'ai prévu large. Je voulais... Attendez, qu'est-ce qu'il me dit, là? L'autre, là? Ok, je voulais te parler et te dire. Donc, je vais t'appeler après. Mais pourquoi tu veux m'appeler? Je pense pas que je peux répondre à un télégramme sur PC. Bah, ok, mais... D'accord, est-ce que tu peux m'envoyer des messages? Plutôt que de m'appeler, je préfère si on s'envoie des petits messages vocaux comme ça. Tu appuies sur le petit micro et tu parles, si tu veux. Et ça marche bien, comme ça. Je parle comme ça avec ma fille, ça marche très bien. Ah, j'ai pas envie de faire... Mais non, en fait, je peux pas. Techniquement, je pourrais pas, à moins que je branche mon téléphone. Ah, ça y est, c'est parti pour l'arnaque. Parce qu'il m'avait pas encore demandé de sous, lui. Ça y est, c'est parti. Alors, lui, j'ai envoyé. J'ai envoyé à lui. Ah, mais j'ai tout fait ici. Maintenant, je suis sur WhatsApp. Coucou, Julien. Est-ce que tu es là? Menace, il est pas... Il est pas ouf, hein. Il m'a répondu tout à l'heure. Il m'a répondu, je me suis dit, ça va, il écoute les vocaux. Ah, Kenji 9 me répond. Ok, pas de souci. Bonjour, Kenji, tout va bien? Je suis là, enfin. Ah, c'est Cyril. Coucou, Cyril. Je suis enfin chez moi. Tout va bien? Coucou, Laurent. Je suis enfin chez moi. Est-ce que tu vas bien? Laurent qui a insisté tout de suite hier soir pour que je paye pour faire une école pour enfants. Pour les orphelins. Alors, Kenji, qu'est-ce que... Lui, c'est lui, ok. Oui, je vais très bien, Laurent, vous le savez, il me répond. Il y a quoi à télé maintenant, là? Là, c'est le JT sur TF1 qui vient de passer. Il y a quoi maintenant? Il y a un téléfilm sur TF1, je sais pas ce qui passe. Tu es disponible maintenant pour m'écouter? Oui, je suis disponible. Envoie-moi des messages. Oui, je suis disponible, mais j'ai cassé l'écran de mon téléphone. Est-ce que tu peux m'envoyer des messages vocaux, s'il te plaît? Parce que sinon, j'arrive pas à lire. Et je vais pas pouvoir t'aider. Parce qu'hier, il m'a dit, hein, il m'a dit qu'il fallait absolument que je l'aide pour un petit orphelinat. Petit plan en équilibre. Ah, c'est vrai, petit plan en équilibre. C'est vrai, ça. Ah oui, donc c'est Kim... Ah oui. Ah, faut que je mette... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas le son? Petit plan en équilibre. Faut que je cherche ça. Et je mets vite fait derrière, là. Petit plan en équilibre. Et je vais me faire strike. Putain, plein de saveurs en regardant Petit Plan en équilibre Puget. Puget, toutes les couleurs de la Méditerranée. La météo. Savourez Petit Plan. Non, ça va. Avec les asperges priméales. Voilà, c'est ça que je veux. C'est ça. Je vais le mettre comme ça. C'est vraiment ça que je veux. Ok. Je vais mettre un peu avant et je vais... Savourez Petit Plan en équilibre avec les asperges priméales. Je regarde la télévision, il y a un Petit Plan en équilibre là.
qui s'occupe de faire une petite recette et je prends des notes. Pour choisir la poêle, et toi, qu'est-ce que tu fais généreuse. Alors prenons la grande. Je vais vous faire des croquettes de thon. Une recette. Ah, petite croquette de thon. Ça, c'est bon, ça. Vous voulez regarder la petite recette? Ah, vous savez quoi, en plus j'ai fail, il a pas le son. Ah, c'est pas grave. Je regarde la télévision, il y a... Ça, c'est l'inconvénient de Telegram, c'est que j'ai pas le... Ah oui, attendez, c'est parce que ça va où, ça? Ça va où? C'est tout simple. Bah oui, effectivement, ça va pas sur le bon canal. C'est bon. Je corrige ça. Que vous pourrez refaire... Voilà, maintenant il entendra. Le prochain, il entendra. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un truc. Ok, oui, donc lui, ouais, s'est dit, ouais, ok, moi je suis en route pour le studio, tu me ferais une photo? Mais arrête avec les photos, moi je veux de l'audio, là. Laurent Voulzy m'appelle, Laurent Voulzy, sur WhatsApp. Je peux répondre ici? Non, je peux pas. Mais je peux pas. Mais il veut m'appeler comme ça? Attendez, là. Non, je pourrais pas. Attendez, je pensais qu'on pourrait les appeler sur machin. J'ai branché le téléphone. Je vais brancher le téléphone, on va faire comme ça. C'était quoi encore le truc que j'utilisais pour faire ça? Merde. J'avais ça. J'avais installé un truc pour faire ça, mais... Ah, toutes mes commandes, elles ont été effacées, bien sûr. Ah ouais, non, c'est normal. Alors. Mais sinon, il m'envoie un petit vocal, là. Pourquoi ils sont bêtes à faire ça? T'es chiant aussi. T'es pas marrant, hein. Quoi, cette histoire? Ça va devenir louche, tout ça. J'arrive pas à te répondre, mais est-ce que tu peux m'envoyer les audios ici? Tu appuies sur le petit micro et tu me dis ce que tu veux. Merci. Ouais, non, je sais plus, j'avais utilisé un truc, ouais. C'était pas Normal Grid. Non, c'était pas Normal Grid que j'avais utilisé. Parce que là, si je commence à installer ça maintenant... Normal Grid, c'est ça que tu dis? Non, pas du tout. Ou t'as juste dit ça comme ça? Ah, ça passe pas. Ah, oui, ok. Coucou Mouette, coucou à toi. J'espère que j'ai pas loupé trop de messages, hein. Je suis désolé. Après les enfants maudits. À 55. Les enfants maudits. Alors, écoutez, on va voir si... Moi je veux absolument... On fait dans le masse, là. On fait du traitement de masse. Moi je suis en route. Tu veux une petite photo, mais t'es chiant, hein. Les photos c'est nul. Je vais comme ça. Moi je veux bien t'envoyer une petite photo, mais seulement si toi tu me réponds avec ta voix, parce que j'aimerais bien t'entendre. Voilà. Voice message. La vie. Déjà, c'est forwardé. C'est. Ok, mais pas de soucis là. J'espère que tu vas bien. J'ai un petit problème. J'aimerais que tu m'aides juste avec une somme de 300 euros. Une fois je règle ce problème, je pourrais te rembourser au plus haut 500 euros si tu le veux bien. Ok. C'est bon, mais c'est bizarre parce qu'il a transféré. C'est marrant parce qu'on voit qu'il a transféré from la vie est belle. C'est bizarre, non? Attends, forwarded from la vie est belle. Mais ça, c'est son nom sur Telegram. Pourquoi c'est forwarded? Parce qu'il a déjà envoyé ça chez quelqu'un d'autre, il avait la flemme d'écrire. Je pense que c'est ça, hein. À mon avis. Le blues, que Blue Stack. Ah, faudrait que je regarde ça. Hein. Pour les prochains lives. Je pense, ouais. Je regarderai ça. Émulateur Android. Ah ouais, ok. Ouais, peut-être que je ferais que je vois ça.
Que flemmard, oui, il faut revoir tout. Tu peux me prêter. J'ai quand même fait un peu la difficile. Parce que... J'ai pas... Pour l'instant, chez moi, j'ai un peu de sous. J'ai 200 euros chez moi. Mais là, je t'avoue que ça va être compliqué. Peut-être 200 euros, je sais pas. Comment... tu viens chez moi les chercher? Comme ça, on se voit enfin pour la première fois. D'accord? Tu me dis, puis je te donne mon adresse. Voilà, et à chaque fois qu'il me répondra en écrit, je vais dire que je comprends pas. Pour le forcer à m'envoyer des messages. En ce moment, je suis en route. Mais ils vont tous au studio! Ah mais non, c'est encore lui. Je te ferai un appel vidéo. Non, mais je veux pas d'appel. Oh, tu sais, j'ai pas besoin de te voir hein, en vidéo. Mais je veux bien entendre ta voix un petit peu. Un petit message que je peux réécouter, ça me fera plaisir. Je le montrerai à mes copines. Voilà. Coucou. Ah, j'avais oublié. Coucou Kenji. Comment tu vas? Tout va bien? Ça va, merci. Ça va, mais j'ai cassé mon téléphone. Je vois plus très bien ce qui est écrit. Si jamais tu veux me parler, est-ce que tu peux me enregistrer un petit message et me l'envoyer? Merci. On va essayer comme ça. Hein. Je pense que j'ai tous leur dire ça, que j'ai cassé mon téléphone. Ah, sur WhatsApp, il se passe plus rien. Et menace, là, allez, tu voulais me faire peur. Ils sont pas sérieux. Recording vidéo. Recording vidéo. Amélarité de record. J'allais lui dire que j'arrive pas à lire. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à lire ce que t'as écrit. C'est tout cassé, l'écran. Tu peux me dire, tu peux me... J'aimerais que tu me dises avec ta voix parce que sinon j'y arriverai pas. J'ai été trop vite, il enregistre sa voix là, j'ai vu passer. Recording voice, voilà. Je peux te rendre à l'instant. Je veux voir. Tu peux te rendre à l'instant au tabac, acheter la recharge. Oh, tu sais, j'ai pas besoin de te voir hein, en vidéo, mais je veux bien entendre ta voix. Ok. J'ai cassé l'écran de mon téléphone, du coup, je vois pas tout le message. Est-ce que tu peux me le dire? Tu m'envoies un message audio pour me dire ce que tu veux, je comprends pas très bien. C'est tout cassé, là. Et on va... On va faire l'usine. Je peux te rendre dans un kiosque à tabac. Tu achètes deux recharges de 100 euros et je me les envoie. Et la semaine prochaine, je pourrais te rejoindre. Mmh. Voilà, c'est pas Kenji, c'est pas ce gars-là, c'est l'arnaque sentimentale. Il s'appelle Jean-Louis Piret. Mais c'est pas vraiment la photo de profil ne laisse pas vraiment présager que ça soit. Je m'attendais pas à cette voix. J'avoue, je suis un peu déçu par ta voix. J'avoue, ta voix me déçoit. Je veux dire vraiment ça là, ça ressemble pas trop hein. Non. Est-ce que tu veux que j'aille là où j'achète les tickets de loto? C'est ça? Je m'attendais pas à ce que tu aies cette voix-là, j'avoue. Mais moi j'achète. Là ce soir c'est le tirage de l'euro million. Donc je peux y aller. Comme ça je joue aussi au loto. Voilà. Ah, il m'a envoyé deux messages, merde. Faut que je... Avant que je voie mon message, faut que je regarde s'il est pas occupé de... Rends-toi dans un kiosque à tabac.
achète deux recharges PCS de 200 euros et ensuite tu me les envoies et plus tard la semaine prochaine on se verra, je pourrais effectuer les déplacements. Il n'y a pas un x2 là-dessus? Ah non, il n'y a pas. On se verra, je pourrais effectuer les déplacements. Car actuellement, c'est un peu compliqué de mon côté. Voilà, j'espère que tu me comprends. Si, au cas où tu m'envoies vite les sous, aujourd'hui ou demain, je pourrais te rejoindre le lundi. Est-ce que tu veux que j'aille Non, c'est bon. Ok, oui, pas de souci. Tu te rends là-bas ce soir. Tu achètes les deux recharges de 200 euros. Et une fois sur les recharges, tu me les prends en photo et tu me les envoies. Ok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est fou qu'il y ait des gens qui tombent dedans. C'est vrai. Mais c'est comme ça, c'est... Il y a des gens aussi qui sont en détresse sentimentale aussi, qui voient enfin quelqu'un qui s'intéresse à eux, des personnes qui sont âgées des fois, qui pour eux tout ça c'était de l'histoire ancienne, ils pensaient pas que ça puisse encore arriver, et ils voient pour eux une jeune personne, même si là c'est ok, il fait pas tout jeune, mais voilà, on va dire que pour eux c'est incroyable, c'est quelqu'un qui s'intéresse à eux, et l'amour rend aveugle, du coup ils se disent, legit, ça passe. J'ai quand même clarifié un truc. Tu connais un kiosque à tabac près de chez toi? Voilà, s'il y a un kiosque à tabac près de chez toi, tu y vas dans le kiosque et tu achètes les deux recharges de 200 euros. 200? En fait, c'est 200. Tu me les envoies. Voilà, mon amour. Ok, mais d'abord, lui, je vais lui dire que je peux pas lire. C'est un autre, là. Là, j'ai switché sur Kenji. Peut-être que je puisse afficher en haut, en fait, de qui il s'agit. Si je fais comme ça... Ah, j'étais sûr que ça allait foirer. Pas grave. On va adapter après. Voilà. Comme ça, vous voyez à qui je parle. Je parle à Kenji. Et on va juste un tout petit peu agrandir, du coup, là. Voilà. Donc là, je parle à Kenji. Et je vais lui dire que j'arrive toujours pas à lire. Parce que lui, je sais qu'il peut... Ah non, c'est pas lui. Tant pis. J'arrive pas à lire ce que tu me dis parce que l'écran est cassé. Tu peux m'envoyer des messages vocaux? Je fais ça avec ma fille, ça marche très bien. J'entends sa voix. Je peux réécouter si je comprends pas bien. Et voilà, ça marche bien. Donc lui... Je pense, ça fait longtemps que j'ai pas été au tabac, mais normalement il y a encore un tabac qui est ouvert pas très loin. Mais j'ai pas très bien compris. Est-ce que tu veux deux recharges de 100 euros ou deux recharges de 200 euros? Parce que c'est quand même pas la même chose. Voice message, non, il fait encore du typing. Alors, comment vas-tu? Ah, je l'ai même pas relancé, lui. Mais est-ce que j'ai pas déjà une histoire avec lui? Non. Ah non, j'ai pas encore parlé avec lui. Ça va, bonjour, Kenji, ça va? Mais j'ai cassé mon téléphone, il est cassé. Mais j'arrive à envoyer des messages et j'arrive à écouter des messages audio. Donc si tu veux me parler, est-ce que tu peux m'envoyer des messages audio, sinon je pourrais pas lire, hélas. Kenji. Kenji 9, là. J'arrive pas à faire des messages vocaux, mais tu rigoles. Tu te rends au kiosque à tabac et tu achètes deux recharges de 100 euros. Voilà. Ce qui fait au total 200. Ok. Ouais. Voilà. Deux recharges de 100 euros. Deux recharges, voilà.
2 recharges de 100 euros. C'est vrai, c'est clair. Tout est clair. D'accord, donc je vais aller au tabac et j'achète 2 ces tickets de loto de 200 euros, ça va. Je vais me préparer. Je vais mettre les chaussures à toi. Voilà. Qui t'embrouille, hein. Je sais plus de quoi je parle. Je vais très bien, merci. Et toi, tu as bien dormi? Ça, c'est Kenji aussi. Il y en a trop des Kenji. Bah, Kenji, j'ai un problème, j'ai cassé mon téléphone. Je vois pas ce qu'il t'a écrit, mais j'arrive à envoyer des messages vocaux et j'arrive à les écouter. Donc si tu veux me parler, tu peux m'envoyer des messages vocaux. Sinon, je comprends pas ce que tu me mets. Voilà. Il est tout. C'était où lequel m'avait déjà envoyé? C'était le 8? Non, je m'embrouille. Ah si, c'est lui. Lui, il me répond pas. C'est lui qui était bien, oui, c'est ça. Lui, il m'enregistre encore des trucs, lui. Je laisse tout et tout enregistrer. Je pense là, c'est bon. Réponds à mon appel. Il faut appuyer sur le, tu vois, à côté de la petite zone blanche où tu écris le texte. Bah, il y a un petit bouton bleu. Ma fille m'a appris à utiliser ça. Tu appuies sur le petit bouton bleu et tu parles. Et ça envoie ta voix, c'est très pratique. Voilà, parce que moi, là, j'arrive pas à répondre. Mais ça marche bien. Et avec ça, j'arrive à communiquer avec ma fille, y a pas de souci. Ah, je suis un peu du forcing, hein. Je ne peux pas te parler en vocal, mais j'aimerais plutôt que tu m'écrives. Ah oui, je sais, mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai cassé l'écran, donc je peux pas écrire, ça fait n'importe quoi. Donc je peux parler que comme ça, et je vais pas comprendre ce que tu me dis si jamais tu m'écris en texte. On peut juste parler en audio. Donc tu peux m'envoyer des messages audio et ça marchera. Kenji, non. C'est lequel? C'est lui là. Ah, il en a fait 3. Bon, lui, on va rester un peu. En fait, je comptais pas du tout sur lui. Et finalement, c'est peut-être avec lui qu'on va rester. Pour l'instant, on regarde lequel est le plus intéressant. Moi, j'ai micro désactivé, bien sûr. J'ai micro désactivé à cause des usurpateurs d'identité qui peuvent se servir de ma voix pour que... Maintenant, on va arrêter. Pour que les notes vocales... Pour ça que les notes vocales ont été supprimées de tous mes comptes et je ne peux juste qu'écrire. Arrête. Mais arrêtez là, c'est bon, c'est faux. Enfin, c'est évident que c'est faux, mais même l'excuse ne fait pas vrai. Elle ne fonctionne pas. J'arrive pas à lire ce que tu me dis, je suis désolé. Oh, tant pis, Kenji, c'est pas grave. J'arrive pas à te lire. C'est pas grave, plus tard, peut-être dans une autre vie. On se parlera, mais là je peux pas, l'écran est cassé, hélas. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Je suis sûr que tu es très occupé. Donc, à part si tu arrives à réparer ton micro, sinon, non, je pourrais pas parler avec toi, je suis désolé. Tout est cassé, là. Coucou Sento. La carte femme. Fan, pas femme. Pourquoi il veut pas nous laisser écouter sa belle voix? Mais c'est vrai. C'est vrai, ça. Ah, il a enchaîné, lui. Je laisse cumuler, mais il n'arrête pas. Ah, Kenji! Recording voice. J'en ai un autre. J'en étais sûr que j'arriverais à le convaincre. Donc on va attendre qu'il... Je vais écouter celui-là. Mais lui, il fait beaucoup, là. Hein. Beaucoup d'audio, là. Ça, c'est vraiment difficile pour moi de faire des audios. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire, l'écran est tout cassé, je suis désolé. Si tu veux me parler, faudra que tu envoies des messages audio. Je suis désolé. Alors, Bah, je vais dire pareil. On va essayer tous. On va essayer tous les mettre en vocal. Hein.
Coucou King Julian. Coucou à toi. On va essayer de faire comme ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire l'écran. L'écran de mon téléphone est tout cassé. J'arrive pas à lire ce que t'as écrit. Tu peux me dire ça en vocal? Ok. Ah oui, il y en avait plein ici, là, écoutez. Bah alors? Il m'a dit ça, mais finalement, il n'enregistre pas. Bon, on verra. De Richard de Saint-Héroux. Mon âme, de Richard de Saint-Héroux. J'aimerais que tu me les envoies aujourd'hui même. Voilà, je t'attends. Une fois tu arrives dans le kiosque à tabac, tu te renseignes, tu dis que tu as besoin de recharge PCS, de recharge PCS ou de tickets PCS de 5 euros. Voilà. De tickets PCS de 5 euros. Il se répète. Voilà. Et tu me les envoies. Mon amour, je compte vraiment sur toi. Sur toi. Je suis patient et j'attends. Une fois que tu es dans le kiosque à tabac, tu achètes les deux recharges PCS de 100 euros. Et une fois que tu as les recharges, une fois que tu es chez toi, tu me les envoies en photo. Mais c'est la même chose. Une fois tu es au kiosque à tabac, voilà, tu leur dis vraiment que tu as besoin de recharge. De 100 euros. De recharge PCS, voilà, de 100 euros. Deux fois. De recharge PCS ou deux tickets PCS de 100 euros. Voilà. Deux tickets PCS de 100 euros. Tu les achètes et tu me les envoies aujourd'hui. C'est deux recharges PCS, deux recharges PCS ou deux tickets PCS de 5 euros. Deux tickets PCS, mon amour. Voilà. Deux tickets PCS. Voilà, j'attends. Une fois tu as les tickets, je me les envoie en photo. Voilà. Incroyable. Alors là, j'ai bien compris, hein. Mais je pense que je me trompe. Il veut deux fois un ticket PCS de 100 euros. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Oui, je vais dire que j'ai pas compris. Coucou, Life Play. Rien. Aïe, aïe. Sans ticket de 2 euros. Tu me réponds tardivement, pourquoi? Mais c'est quoi cette coup de pression là? Tu me réponds tardivement, pourquoi? Bah, j'ai tout dit écrire. D'accord. Mais ce matin, donc hier soir, j'étais chez Nadine et j'ai passé la nuit là-bas parce que d'abord, on a préparé le bingo de ce week-end. Et on a dû préparer les petits paquets cadeaux parce que le gagnant, il va recevoir des... Tu connais les... C'est des petits paniers qu'on donne pour les anniversaires ou pour Noël. Ça, il y a de la charcuterie, il y a des petits biscuits, il y a une petite confiture. Ben, on met ça dans un petit panier et après, on emballe le tout. Donc là, j'ai fait ça. On en a fait trois comme ça. Après, on a regardé un peu la télévision. Après, elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Et je l'ai aidée un petit peu à se préparer parce qu'elle est un petit peu âgée. Donc, je l'aide de temps en temps. Et on était dormir. Puis la nuit, c'est pas très bien passé parce que j'ai mal dormi. Il y a le chien des voisins, il a fait qu'aboyer. Et du coup, voilà, j'ai pas pu bien dormir. Après, je suis rentrée. J'ai dû prendre le bus, j'ai dû arroser toutes les plantes, et j'ai mangé, et ben voilà, tout simplement. Donc oui, effectivement, ça prend du temps. Alors, il n'y a aucun moyen qu'il écoute tout, mais bon. Il me demande pourquoi tardivement. C'est quoi ça? Logiciel d'abonnement. Coucou, très chère femme.
fan. Voilà. Nous vous tiendrons cette liste d'abonnements pour cette nouvelle année. Bien que telle ça annonce bien. Quoi ? Alors nous vous tiendrons ce document pour vous inscrire dans d'avoir été abonné. Déjà que je suis dyslexique. Mais si en plus les mots n'ont pas de sens, c'est compliqué. Hein. Nous vous tiendrons ce document pour votre souscription d'avoir été abonné parmi mes meilleurs comme vous l'avez déjà fait. Alors il faudrait que vous payiez une somme de 550 € pour finir la confirmation de votre abonnement. Merci pour cette compréhension. C'est quoi ça? Aide de paiement, 400. Aide de timbre, 150. Duel de famille. 17 du 2. Ah, c'est une belle carte. Ah, compliqué. Hein. Ah, frais, oui, voilà. mal crop, effectivement. Je crois avoir compris. Ouais, non, mais c'est... Donc, ouais, il veut... Mais... Mathilde, voici le document. Là où tu dois être inscrit. Mais je vais lui dire que je n'arrive pas à lire. Je t'ai expliqué que mon écran était cassé. C'était ce matin, je l'ai fait tomber. Et l'écran est tout cassé, donc j'arrive pas à lire tout ce que tu m'écris là. Donc si tu veux me dire quelque chose, il faudra que tu m'envoies en audio, hein, comme je le fais. Tu m'envoies des messages comme ça je pourrais comprendre. Un peu de sérieux là. Ah oui, lui. J'ai pas très bien compris. C'est combien que tu veux? C'est 100 tickets. 100 tickets de loto au tabac, c'est ça. Puisque j'ai un peu du mal à comprendre. La prochaine fois qu'il me le dit, je vais essayer de prendre des notes en même temps. Parce que là, j'arrive plus à réécouter. Oui. On va voir. Là, il veut plus. Hein. Lui, il veut plus. Lui, je vais dire que j'entends pas. Je t'ai pas entendu, je vois juste... j'ai l'impression de voir un pouce bouger, c'est tout. Je vois pas très bien. Voilà. Oui. Non, je vais juste vérifier un truc. Je vois pas très bien. Voilà. Non, ça va. J'ai eu peur que les petits sons du système étaient... Recording voice, c'est bon, il va me confirmer les trucs. Donc Cyril, oui, mais pour l'instant, je suis avec mon équipe. D'accord, ben écoute, alors on pourra pas discuter parce que j'arrive pas à lire ce que tu m'as mis. Ah non. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire ce que t'as écrit. Donc si tu veux me parler, il faudrait m'envoyer des messages parce que j'arrive pas... à lire tes messages, tes textes. Il faut envoyer des messages vocaux, j'arrive à rien lire, là c'est tout cassé l'écran. Tu sais qu'il faudrait que tu t'inscris parmi... Oh mais oui, mais il faudrait que tu me le dises en audio, monsieur. Rends-toi dans un kiosque à tabac et dis-le que tu as besoin de deux tickets PCS de 100 €. Voilà. C'est bon. Ah, écoutez, on va aller au tapin. Hein. Mais j'aimerais bien voir si... Ah, il envoie encore d'autres messages. Et j'attends voir s'il enregistre pas plus. Parce que c'est bien les avoir d'affilée. S'il peut m'envoyer encore quelques-unes. Une fois tu es dans les kiosques à tabac, tu vas directement au kiosque et tu leur dis que tu as besoin de deux recharges PCS de 100 €. Deux recharges PCS de 100 €. Voilà.
deux recharges spéciales de 5 euros. Une fois dans le kiosque, demande-les. Dis-leur que tu as besoin de deux recharges PCS de 100 euros. Deux recharges PCS de 100 euros. Voilà. Voilà, il tape. Il écrit, il envoie pas un vocal. Deux recharges PCS de 100 euros. Aïe, aïe, aïe. 100 euros. Coucou Badge Killer, coucou à toi. Alors je serais tenté, mais est-ce que lui j'essaye un... On peut essayer un géo-scammer avec lui peut-être. Deux recharges PCS de 100 euros. Voilà. Deux recharges PCS de 100 euros. Voilà, une fois je vais dans le kiosque à tabac, tu achètes les deux recharges PCS de 100 euros. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Ah, j'ai pas... 100 euros. Ah, j'ai pas tout compris. Hein. Ok, ouais, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je peux faire avec lui. Est-ce que je fais du géoscammer ou pas? Tu peux même... Tu es là, mais tu as lu mon... Je t'ai répondu, non? Mais... Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire ce que t'as écrit. Donc si tu veux me parler, il faudrait m'envoyer des messages parce que j'arrive pas à lire tes messages, tes textes. Il faut envoyer des messages vocaux, j'arrive à rien lire, là c'est tout cassé. Bah oui, mais... Je vois que t'as écrit quelque chose, je vois juste tu. Mais après je sais pas lire, c'est cassé. Donc je te répète, si tu veux me parler, il faut envoyer des messages vocaux, sinon ça marche pas. Désolé. Ok. Geoscammer. Le tracker, c'est... Geoscammer, c'est... En gros, j'essaie de m'arranger pour que l'arnaqueur m'aide à aller jusque le tabac. Et donc, on se met sur Street View et il essaie de me guider jusqu'au tabac. Mais c'est pas évident à mettre en œuvre. Là, il nous reste combien? Il nous reste 2 heures pour faire ça. Donc, si je commence maintenant, on aurait 2 heures de Street View... Et j'ai peur que ça puisse être un peu embêtant pour vous, donc je sais pas si je me dirigerai sur un géoscammer. C'est un peu spécial. Un peu spécial comme type de stream, du coup. 2 fois 100 euros, c'est 200 euros en tout, non? Oui, c'est vrai que... Ouais. Papy geek. C'est ça. Là, il m'a pas envoyé d'autres. L'autre il dit je t'ai dit que je suis avec mon équipe, c'est impossible. Oui, mais je vais dire que j'arrive pas à lire. Je vais être en boucle. Merci Papy Geek pour les 5 pour je les suis 50 vieux, mais je comprends tout. Merci beaucoup pour les 50 bits. Bah, écoute, moi aussi je suis vieux. Bonjour, bravo et merci pour votre travail de sensibilisation contre ce type d'arnaque. Est-ce que vous arrivez à remonter jusqu'au brouteur et l'empêcher de nuire? Bah ça arrive. Ça arrive. De temps en temps, ça arrive. Pas tout le temps, hélas. C'est pas évident. Depuis... De lui faire un message... Attends. Non, Qu'est-ce que tu dis, Sylvain? Non. Attends. Non, il a pas répondu. J'ai peur de... Oui, j'ai peur aussi. Non, je vais dire que j'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? Je vois juste écrit « je ». Après, j'arrive pas à lire. Je suis désolé, c'est cassé. Donc, si tu veux, tu m'envoies un message audio pour me dire ce que tu veux me dire parce que j'arrive pas à lire. Je vois pas ton message, là. Ce dialogue de sourd, là. Ben, je te dis que je suis avec mon équipe. Ah. Une fois arrivé au kiosque à tabac, tu achètes les deux recharges PCS de 5 euros. Et une fois sur les recharges,
Je rentre chez toi. Arrivé chez toi à la maison. Arrivé. Tu prends les recharges en photo et je me les envoie. Voilà. Ouais. Je sais pas. Je pose un. Je réfléchis. Pour ou contre. C'est pas très clair encore son affaire, effectivement. Il broie la langue de Molière. Tu rentres, tu fais un pipi. C'est quoi le bureau de Maba? De ma bac, j'ai pas de bac. C'est combien la recharge? Combien? Ah oui, bon, écoutez, on va dire que dans mon RP, il y a des trucs pas toujours cohérents, c'est pas grave. Hein. Pas de soucis. Alors, voyons voir. On va faire le... je pense qu'en lui, on va essayer de voir... Si, je vais voir s'il est perceptif. Faut que je me trouve d'abord une adresse. Attendez, je regarde un petit peu Google Maps. On va essayer... Je pense que lui, il pense que j'habite à Amiens. Parce que maintenant, pour les nouveaux, je dis plus que j'habite à Amiens parce que j'en ai marre d'être là tout le temps sur Street View. Parce qu'après, ils vont encore sortir Jules Verne tout le temps, là. On va chercher une adresse. Je pense qu'il sait pas où j'habite, donc je peux dire n'importe où... on va voir, je réfléchis un petit peu. Alors, à Amiens. Donc là, il y a Amiens. Faudrait que je me trouve une ville où je peux faire ça à pied, ou je sais pas. J'ai cherché ici un tabac. J'ai fait en mode. Ça là, mode comme ça, newspaper. Mais j'aimerais bien qu'il s'appelle Tabac, comme ça il trouve facilement, sinon il va galérer. En plus, faut que je le dicte parce que je peux pas. Tabac à dos, ouais. Et il est ouvert. Les notes sont pas ouf. Hein. Si je dis que j'habite genre vraiment par là, et que je dois aller jusque là. Tabac de mon cul. Il m'a encore envoyé un message. Tu es parti là. Tu es parti. Une fois, j'arrive dans le kiosque, j'achète les deux tickets ou encore les deux recharges spéciales de 5 euros. Et je me les envoie en photo. Voilà, bisous. Bisous. Oh, bisous. Ben, je réfléchis. Je réfléchis. Je vais dire que, genre, je prends le bus et que je vais arriver. Un point intéressant, un point vraiment... Je prends le bus et j'arrive, je sais pas où. Et après, le reste, je dois faire ça à pied. Mais vraiment un point... ça, c'est quoi ça? Aire de jeu du parc Jean Rostand. Ah. Là, d'un coup, j'arriverai à écrire ça, du coup. Ça va être bizarre. En vrai, il faudrait que d'un coup je sois drop ici, mais en cours de route je fais genre je suis en bus, je suis en avion, j'ai pas plein de trucs différents. Et que j'ai au bout d'un moment j'arrive ici et qu'il m'aide. Comme ça. Allez mon amour. Vas-y maintenant. Voilà, je t'attends. Bisous. Une fois tu as les recharges PCS, envoie mon message. Voilà. Je t'aime fort. Moi, oh, trop mignon. Missed call. Ah, mais c'est lui. Je suis là, ça va? Bah, écoute, j'ai cassé mon téléphone ce matin. J'arrive pas à lire ton message. J'arrive à lire je, mais pas le reste. Donc, si tu veux me parler, il faudra m'envoyer des messages vocaux.
Je sais pas ce que t'as écrit là. Ah, c'est BG. Hein. Tellement BG. Donc lui, c'est quelqu'un qui nous a déjà parlé en vocal. Hier, il m'a parlé en vocal, donc il y a moyen qu'il me réponde. On va voir. Donc on va se concentrer, je pense, sur lui. Hein. Écoutez, le monsieur de la menace ne réagit pas, donc hélas. Sniff. Lui, je l'aurai d'une autre façon. On va faire l'autre façon. C'est pas grave. Je suis occupé que je peux t'écrire ici. Tu peux écrire. Mais non, mais vous comprenez rien. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive juste. J'arrive à lire je, mais c'est tout. Ton message est tout coupé parce que l'écran est cassé. J'ai pas compris ce que t'as écrit. Si tu veux, tu m'envoies un message vocal, comme ça je pourrais comprendre. Là, je comprends pas. Tellement de forcing. Mais je pense que ça va être lui. Hein. C'est notre gagnant du jour. Hein. T'as combien de conversations en même temps? J'en ai trop, je sais plus. Mais après, j'en ai trop, mais en vrai, des conversations qui tiennent la route, mais il n'y en a pas tellement parce que j'envoie des messages, mais peu réagissent à l'audio. Donc on va dire que là, j'en ai vraiment un seul qui est vraiment dedans. Mais le reste... Mais... Cyril. Le truc qui tourne en boucle. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire ton message. Je veux juste écrire tu. Je peux mon téléphone, l'écran il est cassé. Donc si tu veux, tu m'envoies un message vocal, comme ça je comprends. Merde, ça fait déjà trois... C'est le même message. Je vois que t'as écrit quelque chose, je vois juste tu. Mais après je sais pas lire c'est... Qu'est-ce que t'as dit? Je vois juste écrit je. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire ce que t'as écrit. Je sais pas. Est-ce qu'il va me redire à chaque fois qu'il est avec son équipe? Ah, c'est un peu bizarre. Donc lui là, merde. Écoute, je vais faire une dinguerie. Je vais lui donner un lien Google Maps. Je dis, je prends le bus, j'arrive là. Je t'envoie le lien de la position. Je fais un truc comme ça. C'est bizarre. Partager, copier. Là, d'un coup, j'arrive bien à me débrouiller avec mon téléphone. Et je dois aller au tabac cadeau. Faire comme ça. Oui, je suis là. Il y a Matt Pokora qui est avec nous aussi. On va faire comme ça. Dialogue de sourd, effectivement. coucou à Panyan. Coucou à toi. Ta petite tête. Je sais pas si. Oh, elle m'a manqué ta petite tête. Est-ce que c'est gentil ou pas? T'as vraiment une petite tête. Hein. C'est pour ton anniversaire qu'il t'emmène. Ok, je vais lui dire. Attends, je vais faire un truc. Je vais mettre un bruit d'avion. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bon son? J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit toum. Désolé. Non, ça fait pas du tout avion, ça. Announcement effect. On va voir. Belt. Oui, c'est vrai. Ah, j'y suis. Ah, j'ai vraiment l'impression d'y être. Taxi.
Non, ouais, j'ai vraiment que j'ai l'announcement. Hein. Mais j'ai que des trucs de 10 heures aussi, là. C'est quoi ça? Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card, please come forward for boarding. Also, I'd like to invite group number one. Please, ladies and gentlemen, have your boarding cards out available. Mais j'habite où, là? Ça fait bizarre. Non, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, on va faire ça. Mais le truc, c'est que... on va. Attendez, il n'y a pas un autre... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est bon comme ça. Juste dire que je suis en route, que je suis dans le bus. On va faire comme ça. Voilà. Là, je suis dans le bus pour l'instant. J'arrive. Je vais donner l'endroit où j'arrive. Je sais qu'il y a un tabac pas très loin, mais je sais plus où il est. Je te donnerai l'endroit et tu me diras où je dois aller, d'accord? Je t'envoie l'adresse d'où j'arrive, c'est l'arrêt de bus, et je te dirai le nom du tabac et tu m'aideras, d'accord? Après, juste quand je parle, après il n'y a plus l'effet là. Dans le bus pour l'instant. J'arrive, je vais donner l'endroit où j'arrive. Je sais qu'il y a un tabac pas très loin, mais je sais plus. Ok, bon, on va dire que ça c'est bon. Laurent! Voilà, j'aimerais te demander un service par rapport à l'orphelinat. Juste une aide de peut-être 1500 euros. C'est juste vraiment, je veux vraiment m'aider. Combien il a dit? 500? 1500? Voilà, j'aimerais te demander un service par rapport à l'orphelinat, juste une aide de peut-être 1500 euros. C'est juste vraiment, je veux vraiment m'aider. Ok. D'accord, bah écoute, j'ai ce qu'il faut chez moi, j'ai les 500. J'ai 500 euros chez moi en liquide. Donc si tu veux, ce qu'on fait, c'est que je te donne mon adresse et tu viens. Comme ça, on prend le goûter ensemble. On fait ça. Tu viens, je te prépare un petit goûter et je te donne des sous. Voilà. Dire comme ça, hein. Coucou, comment tu vas? Lui, je suis en sous dans mon RP, lui. Oh, on s'est déjà beaucoup parlé, hein. Ah mais ça c'est celui qui s'est fait avoir par la police. C'est ça, hein. Monsieur le policier? Monsieur? Ouais, c'est ça. Monsieur? Non, lui, j'ai déjà fait tourner en rond, lui. Je pense pas que je vais revenir là-dessus avec lui. Cela dit, c'est vrai que j'ai pas son adresse email. Donc peut-être que je peux pour avoir son adresse email et aller plus loin. On va voir. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Ok, pas de soucis. Bah, une fois tu descends du bus, essaie de te renseigner et demande-le s'il n'y a pas un kiosque à tabac près là où tu es. Et une fois on t'indique le kiosque, tu achètes les deux recharges PCS de 100 euros. Voilà. Deux recharges de 100 euros, hein, on l'a bien noté. Il y a Laurent Voulzy, là. Mais si tu veux, ça sera encore plus mieux. S'il y a un bureau à tabac proche de toi, tu pourras te rendre, prendre deux tickets de Transcash, et tu ne feras pas venir, et puis on mettra un rendez-vous en place pour se voir. Tu comprends? Parce qu'ils ne sont pas dans une ville proche, tu vois. Je suis encore un peu plus loin de toi. Et aussi le déplacement à l'instant, c'est imprévu, tu comprends?
Ok, il est un peu plus loin que moi, effectivement, il n'est pas tout proche. Hein. Bah lui, je vais faire genre, je vais au tabac, mais par contre, je lui demanderai juste son adresse email. Je pense pas que je l'ai déjà. Je pense pas, non. Il m'a envoyé des trucs hein, que j'ai même pas lu. Il m'a envoyé des devis. Je sais pas si ça date un peu. Il m'a envoyé un petit devis de construction, mais... Ah ouais, je peux plus. C'était pas très bien fait. Devis de construction pour l'orphelinat, bien sûr. Lui, je vais dire que je vais au tabac. D'accord, écoute, je vais... C'est que ce que t'as dit, c'est pour avoir le transcash. C'est ça que t'as dit. Et normalement, je trouve ça ouf. Si je vais au Carrefour, il y a... Alors, une petite discussion en vocal, c'est bien. Et donc, ouais, lui, je vais lui dire où j'arrive. Garou, dire-moi, as-tu bien dormi? J'arrive pas à lire ton message parce que j'ai cassé mon écran. Tu peux me répondre avec un message audio? Merci, désolé. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive à lire je, mais c'est tout. Allez, il me répond pas. Coucou, Matt. Tu es là, je suis enfin chez moi. J'arrive pas à lire ton message, je vois juste écrit oui. Mais après, je sais pas. J'ai cassé mon écran. Et du coup, je peux juste envoyer des messages comme ça. Et donc, si tu veux me répondre, bah envoie-moi des messages vocaux, comme ça je pourrais t'entendre. Voilà. Laurent vous le dit. Si tu veux, je m'envoie ton domicile, ton adresse par message, et puis je vérifierai s'il y a un bureau à tabac proche de toi. Je te rendrai dans l'immédiat. Ah, il est bon, là. Il est pas mal. Ah ouais. Lui, il me... Un petit duo scammer avec lui aussi, c'est pas mal, là, mais je... Ah, merde. Ok. Bon. Il a l'air d'être partant. Il pourrait m'aider. Si je lui donne l'adresse... Donc, j'avais trouvé celui-là, là. Donc, là, il y a un bureau de tabac, mais ils sont... Le tabac, c'est tabac cadeau. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas trop loin. Enfin, il y en a... Il peut me dire celui-là aussi. Puis me dire chez Froc. Chez Froc. Voilà. Mais en gros, si je dis que j'habite là, normalement, ils vont pouvoir me guider. Comment tu t'as... Ouais. Il y a Garou qui me demande comment j'ai cassé mon écran. Donc je vais dire que je suis... Je vais donner une adresse. Hein. Ça c'est quoi comme adresse? Là on va dire... rue Saint-Geoffroy. On va dire un truc comme ça. À Amiens. Mais du coup je le dis en écrit. Comment je lui dis? Parce que d'un coup j'arrive à écrire. Un peu bizarre. Ouais. Dire comme ça, hein. Rue Saint-Geoffroy. Du coup, faudrait que j'épelle. Tu t'es assis dessus. Je me suis assis dessus, c'est ça. Tu as été grand-mère dans une autre vie, c'est pas possible. Mais quoi? Matt Poca. Ah oui, mais là, pour l'instant, il y a Instagram qui s'affole parce qu'il y a d'autres brouteurs qui veulent parler, là. Mais c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Bon. J'habite à Amiens. Si tu veux chercher sur une carte, Amiens, c'est 80 000. Donc c'est 8 0 0 0 0. Ça, c'est Amiens. Et j'habite à la rue Saint-Geoffroy. Donc, la rue Saint-Geoffroy, c'est S comme sardine, A comme
à ananas, I comme Italie, N comme naturopathe, T comme tartine, puis un espace, et puis c'est Geoffroy, c'est Geoffroy, et la fin c'est Y. Tu vois, c'est... Voilà. Tu me dis si tu... Et ma maison, c'est numéro 21. Si tu me dis si tu trouves. Hein? Ça peut enregistrer? Faut que je recommence ça. Ça s'arrêtait dès que j'ai changé de table. Ah bah zut. On va recommencer. Allez. Merde. On va aller plus vite, hein. Je suis donc à Amiens. Amiens, c'est le code postal, c'est 80 8 0 0 0 0. 80 000, c'est Amiens. Et ma rue, c'est Saint-Geoffroy. Donc c'est rue Saint-Geoffroy. C'est S-A-I. N-T, espace, Geoffroy. Geoffroy, avec un Y à la fin. Et j'habite au numéro 21. Voilà, tu notes ça et tu me trouves où il y a un tabac, parce que moi, je sais pas où il y en a près de chez moi. J'y vais pas, moi. Compliqué. L'autre, je lui donnais le lien. Écoutez, on va aller plus vite. Je vais donner le lien. Je vais dire que j'arrive là, copier, et se débrouille avec ça. Là, je vais mettre un bruit de quoi? Quel au transport en commun? Un bruit de tramway? Je dis que j'arrive bientôt. Ah, il est bien celui-là, j'aime bien. Non, ça va, ça c'est bon. Calèche, après je vais faire calèche. Ok. Je suis dans le bus encore. J'arrive bientôt à l'arrêt. Et je vais te donner le lien là tout de suite où je vais. C'est pas très loin de là. J'arrive à une gare qui est là. Voilà. C'était pas clair. Merde! J'ai failli me fail! Attendez! J'arrive à l'arrêt de bus là. Donc, tu peux me trouver où est-ce qu'il y a un tabac pas très loin? C'est vraiment un arrêt où je vais souvent, mais je sais pas où il y a un tabac pas très loin. Donc, si tu peux me trouver un tabac, je te donne le lien tout de suite. Attends. Je te donne ça. Ah, c'était compliqué, hein. J'ai un peu galéré. Métro. On va faire comme ça. Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? J'arrive à l'arrêt de bus. Là. Merci, Poppy. Petit pois. Merci pour le follow. Pas très loin. C'est vraiment un arrêt où je vais souvent. Mais je sais pas où il y a un tabac pas très loin. Et là, j'envoie le lien. D'un coup, j'arrive à faire ça. Voilà. D'un coup, j'arrive très bien à utiliser le PC. Le téléphone. Donc si tu peux me trouver un tabac, je te donne le lien tout de suite, attends. Ouais, je pense que ça va. Je pense que ça va. Comment tu t'es arrangé pour casser ton écran? Eh bien, je suis bêtement assise,
Donc quand j'ai pris le bus ce matin, je me suis assise et c'est sur des bancs en... Comment ? C'est sur des bancs en béton, comme ça. Je me suis assise dessus et j'ai senti que ça s'est cassé. Et puis quand je l'ai pris en main, j'ai vu que c'était tout... Mais j'arrive pas à te lire. Je peux pas te lire, en fait. J'ai fait une faille. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? J'arrive pas à lire ton message. J'arrive juste à lire Go. Après, l'écran, il est cassé. Je suis désolé. Donc, si tu veux m'envoyer un message, faudra m'envoyer un message vocal. J'ai failli me fail, là. Hein. Ok, pas de souci, je regarde. Mais, essaye de te renseigner près de toi, demande aux gens. Ils peuvent t'indiquer un kiosque à tabac proche. Ouais, mais bien vu, hein, Ivresse. Effectivement, je peux pas lire et je répondais. Donc, heureusement, je me suis repris. Donc, merci d'ailleurs pour le follow à le Claustro. Merci pour le follow, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc, moi, on va faire une petite voix pour demander de l'aide et en fait, quelqu'un ne peut pas m'aider. Faire comme ça, comme ça. Et oui, l'autre, là, le Laurent Voulzy. On en est où avec Laurent Voulzy? Ah non, il est coincé sur le sur l'adresse là. Mmh. Tu as une belle voix. Je suis rentré, c'est bon. Tout va bien. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai cassé l'écran de mon téléphone ce matin. J'arrive pas à lire ton message. Donc si tu veux m'envoyer un message, faudra m'envoyer des messages audio. Je suis désolé. Faudrait que j'enregistre ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire ton message puisque j'ai cassé... Bon, l'écran, il est cassé, mon écran de téléphone. Donc si tu veux m'envoyer un message, faudra m'envoyer un message audio. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? J'arrive pas à lire ton message puisque j'ai cassé... Bon, l'écran, il est cassé, mon écran de téléphone. Donc si tu veux m'envoyer un message, faudra m'envoyer un message audio. Voilà. Là, lui, il est déjà un peu plus avancé parce que pour lui, je suis déjà là. Là, je viens de t'envoyer la capture. Je sélectionne 4. Et tu verras, le plus proche de toi, tu iras là-bas, dans les médias. Bah ouais, mais j'arrive pas à voir mon écran, donc non. Donc on va commencer l'aventure avec des photos et tout, là. Mais j'aurais préféré faire juste avec lui, mais je sais pas. Mais après, c'est bien d'en avoir deux en même temps, parce que des fois, il y a des gros temps morts. Enfin, avec lui. Ok, pas de souci, je regarde. Oui, lui, il faut que j'envoie... Faut que je fasse un RP avec lui. Oui, je vais dire que j'arrive bientôt. Petit bruit de calèche. Un petit bruit de calèche. Comment sont... Tu es la princesse. Oh là là, ils sont tous là. Ouais, on va dire ça. On va dire qu'il est bien ce bruit. Essaye de te renseigner près de chez toi. Il y a un supermarché, le supermarché Amiens. Va dans le supermarché. Ouais. C'est qui ça?